Y'a plein de vous allez bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon roi Gigi, comment vas-tu? Let's go, mon sac qui m'invite. C'est la première fois que je suis chez Watt, oui. Ça me fait trop plaisir. Enfin, je suis très content également. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est la première fois qu'il est sur ma chaîne. Ouais. On s'est retrouvé aujourd'hui pour un concept assez spécial et vous allez le comprendre assez vite. Autour de moi, j'ai un capteur cardiaque. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai un capteur cardiaque? Je te pose la question. Alors moi, j'ai la réponse. Sans faire le bluff, c'est vrai. C'est parce qu'en vrai, on s'est vu en off, il m'a dit commenter face au malaise et tout ça. Je dis bah j'aime pas trop ça. Il m'a dit mec, moi je déteste. Vraiment, ça me met très très mal. C'est ça. Et peut-être le but c'est que tu t'avais ça en live. Ah, exactement, c'est une crise de panique, je sais pas, quelque chose. En gros, je vous explique, on a décidé d'aller regarder, et c'est Alex et Jarod qui m'ont proposé ça et qui m'ont un petit peu préparé la vidéo, une suite de vidéos cringe, d'accord? Il y a plusieurs levels. Cringe, très très cringe et insoutenable. Insoutenable. Voilà, un truc. On sort de la pièce. Tu regardes, t'as envie de mourir. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très sensible face aux gênants, les choses malaisantes, ça me met vraiment pas bien. Au point où, par exemple, quand on était aux États-Unis avec mon équipe, on avait mis le prank Greg Guillotin, la famille juive. Tu l'avais vu ou pas? Non. Alors, le genre idéal. Je peux te dire. Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait, mais je n'arrive pas à tenir. La seule que j'ai pu voir un peu bluff, c'est celle avec le rappeur et tout machin. Je mettais des petites pauses, je me mettais, tu vois, je me mouillais la nuque, je regarde les commentaires, le crâne, je regarde les commentaires, je dis ah ouais énorme, etc. Je remets et dès qu'il commence à faire oui, moi je suis arrête. Et donc voilà, donc du coup l'idée ça va être d'aller react un petit peu, regarder des vidéos. Moi j'ai le capteur cardiaque et vous allez voir en bas à gauche il y a mes pulsions cardiaques qui sont enregistrées et on va voir si au fur et à mesure du cringe j'ai mon cœur qui se met à battre la chamade. Ça se trouve pas du tout, puce sa mère. Concept à chier. Ça se trouve à chier. Aucun rapport. Il va finir à 2 de tension. Ou alors vous voyez 120 bpm, je suis comme ça en train de me... Donc voilà pour le concept, c'est parti. Bonjour madame, combien de parts de couscous voulez-vous? 4 parts de couscous. Quoi il est dégueulasse mon couscous? Quoi il est dégueulasse? Il n'est pas dégueulasse mon couscous. T'en as jamais acheté une vieille folle. Maurice, il est descendu. Une vieille folle, dégage. T'en as jamais acheté, arrête. Tu veux du couscous, moi? T'aimes bien le couscous ou pas? Ouais, de ouf. Elle a l'air d'avoir un souper. C'est quand même un peu agressif. Oh non. Non mais ça m'affole quoi, on voit même pas là. Eh, on est au Cambodge ou quoi là? Pour l'instant ça va. De couleur d'automne. Ça, je la connais, c'est vraiment extraordinaire dans mon jardin. Non mais c'est un truc de... Ouais. Des couleurs d'automne. Voilà, allez hop. Elle est super connue, celle-là. Attends, pause, Jarod. Tu connais pas l'histoire, celle-là? Elle fait son petit boucan. Je l'ai jamais vu. Frère. Oh, Benjamin Muller, t'es trop bonne aujourd'hui. Emoji aubergine. Il manque juste les trois tegous, là, sur le teco. Et on est bien. Tu sais qu'en plus, elle est mariée. Le mec qui lui envoie ça, il est marié. Et en fait, c'est juste qu'ils se font des vannes et tout, machin. Il me semble qu'il avait pas capté que là, ça pouvait se voir à l'antenne au moment où il y avait le plan. T'es sûr que c'était des vannes? Bah, après, ça, je sais pas. Mais selon la défense, l'avocat, c'était des vannes. Voilà, c'était des vannes. Ouais, hein. Toi t'es un homme marié, je pense que si tu vois un truc similaire... Si je reçois un petit message un peu... avec une pêche... mode bouffon le cul aujourd'hui... Pas sûr qu'effectivement... Tu reçois un message sur ton téléphone, t'as beau crâne aujourd'hui... Emoji lisse... Tu es si luisant aujourd'hui... Ce serait la folie. T'as déjà reçu un truc comme ça en live? Non. Genre j'ai des abos, ils me disent j'ai un beau crâne, des comme ça, ou que je suis... Non mais un message... Mais pas forcément quelqu'un d'autre... Un message un peu chaud? Un peu chaud. Non. Et t'en as eu temps... Oh abusé, regardez. Ouais, genre délire. Non, jamais. Moi si, Manuel Ferral m'envoie sa bite en live comme ça. Comme ça? Non. Le crédule. On a eu de ouf. Dis donc Christelle, avec deux ailes, est-ce que t'as déjà rêvé de voler? Parce que moi j'avais te présenté une voiture volante, une voiture qui vole. Désolée de te casser ton délire, mais une voiture volante, ça n'existe pas, Alex. Eh bah si, ça existe, je vais en présenter une dans mon émission. Il faut que tu devines le nom. Ok. Alors attention, est-ce que c'est Incisif 200, Mollard 400 ou Canine 600? Oh là. Je n'ai pas une dent contre toi, il y a vraiment un des noms qui est le nom de la voiture. Tu sais pas? Ah, je vois pas. Eh ben, c'est la Mollard 400. La Mollard 400, magnifique, rouge, elle vole et tout. Tu la verras dans mon émission sur ta cité. Eh ben, je regarderai. Eh ben, merci. À une condition. Bah, que tu regardes mon émission. C'est quoi le nom de ton émission? Monte le son. Alors, si tu veux. C'est quoi le nom de ton émission? C'est le nom de l'émission. Insoutenable. En fait. C'est long, hein? C'est très long. C'est que l'acting comme ça, moi, ça me fait bouillir le sang. Mais elle est grave connue, elle. C'est la reine du malaise, hein? Ah ouais? Ignoble, elle. Elle s'appelle comment? Bah, frère, tu peux pas savoir. Non, mais faut passer à autre chose, là. Oh là là là. On vient de vivre quelque chose ensemble en communion, là. Là, tu vois, en fait, c'est terrible parce que, genre, j'ai pas le moment où c'est insoutenable et tout, tu vois. Non, mais c'est long. C'est long et surtout, enfin, c'est chiant. Et je me dis, il y a un mec qui a validé ça, tu vois, sur France 4. Et qui se sont dit, let's go. Et il s'est dit, ouah, gros, c'est gaulerie de fou. R-O-I-M-I-N. On a lâché une caisse. Attends, il y a eu un tos. Oui, un tos de zinzin. Ça, ça m'a dit, c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi. Joue ta mère. Je me suis même pas à peur.
Putain, il était assez... Mais quel bâtard, mais carrément, il a remis une couche. Laisse-les passer à autre chose en paix. Il a remis une couche. Pourtant, il était bien, hein. Il y en avait, là, hein. Ça a bien mangé à midi, hein. C'est bien violent, hein. Le bâtard, mais carrément. Est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Oh, le plan. Oh, toujours en train de pécho, celui-là. Je sais pas trop qui dire avant. Vous faites quoi, là? Mais c'est quoi ton problème? Tu dégages? Non, je crois pas, non. Oh là. Mais sinon, toi, ça va? Ouais, ça va. Mais c'est Roval, on dirait mon ancien lycée, frère. C'est là-bas. Le petit court-métrage étudiant. On dirait Undo Stress sans budget. Mais il tente un truc. C'est 1, 2, 3 en France. mais à chier. Oh, c'est long, les plans sont très longs. C'est vraiment... C'est bien filmé, en tout cas. Déjà, je fais trop la meuf. En même temps, je vais pas faire de lampadaire. Non. La vie de ma mère, ça va mal se passer entre toi et moi, le canapé. En fait, je me sens mal de vanner des jeunes qui se font un kiff, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. C'est des jeunes, c'est normal que ce soit pas pro et tout, y a pas de problème, tu vois. Je me moque pas de la chose, mais je vais pas faire le lampadaire. C'est vrai qu'effectivement, tu t'es déjà relu un peu des vieux posts de toi, peut-être, trucs, c'est dur. Hein. C'est que j'ai déjà retrouvé mon Skyblog. Voilà, tu vois, moi j'ai retrouvé des premiers posts que je mettais sur le forum JVC. Oh là 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 là. J'ai déjà revu des photos de profil Facebook avec du noir et blanc, des effets. Très de la manière dont je parlais, les smileys, chapeau et tout. Ah frère, ouais non, catastrophique avec des couleurs partout et tout. Donc là, en vrai, voilà, donc c'est cringeos, mais on a un seuil de tolérance parce que c'est des jeunes, y'a pas de soucis, ils font une petite vidéo, ils se font kiffer. Alors que machin Too Good là sur France 4, va te faire foutre. C'est des pros, ça. C'est des pros. Non, on peut plus. 3, t'approches plus Mathéo, c'est ce qu'on verra. Ah non, mais Mathéo, c'est vraiment le mec. Vous embrouillez là. Eh, mais vous êtes des gamines, je vais y casser vous, je vais même plus vous voir. Vas-y, c'est des gamines, j'ai même plus envie de les voir, allez, viens. Et le gars, il est. Non, par contre, c'est très grave. Le mec, il est au supermarché, il pioche les gonzesses qu'il veut. Il part avec la quatrième. Oh, mon casser la tête, c'est une dinguerie, ça. Mais calme-toi. Heureusement que t'es là, toi. Mais oui. Oh, le Mathéo. Oh, il est bon. Mais attends, c'est un épisode d'une saison, toi. Faut passer à autre chose. Oh, pitié. Passons à autre chose. C'est de la demeure. Non, c'est bon. Je prends pas le poids. Je te jure, je prends pas le poids. Je veux plus voir. C'est Katana, ouais, vas-y. Je veux plus voir, c'est fini. C'est très, très dur. La raclette, ça. Ouais. Là, c'est le problème d'avoir des grands darons à qui on a fait découvrir TikTok, j'en peux plus. Attends, la réaction, mets les rillettes. Bon, quand c'est les soirées rouillettes à la maison. Y'a tant, oh, le fils de pute, il fait de la technique. Oh, stop. Ah, si ça c'était le niveau facile, je veux le niveau un peu plus dur. Après, ils nous font rire. La vidéo commence bien parce qu'on commence sur des choses un peu genre. Un peu légères. Légères, drôles et tout. En plus, je sais pas si t'as vu sur le court métrage des gamins, mon rythme cardiaque est monté 80-110. Oui. Donc, il fonctionne bien le capteur. Mais je sais pourquoi, c'est parce que t'as reconnu ton lycée. Tu disais potentiellement t'aurais pu tourner là-dedans. Là, ça va être niveau 2, okay. Les amis. Je voudrais un chocolat, un croissant et une tartine de caramel. C'est long. Il y en a des mots. Il y a beaucoup de choses à dire. Tenez. Qu'est-ce qu'elle donne? Au revoir. C'est pas le terme de nous mettre ça. Oh la nickel, moi ça. Vas-y, c'est bon. Enlève ça. Oh non. J'avais validé. Mais ça, c'est dur, ça. J'avais validé. Tu sais que cette vidéo, j'ai jamais pu la regarder au fond. Ben, c'est ta première fois, mais moi, je ne l'ai pas regardé aussi. Ben, le concept, c'est qu'ils doivent genre faire lire les paroles d'un peura, je crois, et en mode le jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça. En gros, ils reprennent des paroles, bah du coup, validées. Validées, ouais. Et elle fait de l'acting. Oh, là. Et seule et triste comme au dépôt, à une seule femme, je dis I love you. À une seule femme, je dis I love you. Oh. I love you. I love you. I love you. Mais c'est qui chez Combini qui a eu cette idée de merde, sérieux? Ouais, c'est qu'ils font des réunions, ils se captent entre eux, ils se disaient si on faisait ça. On prend une meuf là, on lui fait lire un texte de Booba. Je t'ai pris en doggy style.
Si ça tient qu'à moi, là, je passe à autre chose. Ça tient qu'à moi, je me fous en l'air, là, vraiment. Dramatique. On peut pas aller plus loin. Non, mais là, on n'en peut plus. Non, merci. Il y avait encore 50 secondes de ce merdier. On prend pas le point. On s'en fout. Ils veulent faire les mecs d'animé, des meufs d'animé, mais... Si c'est fait par des japonais, c'est que je raison, frère. C'est des dessins. N'en peux plus. Regarde-moi ça. Putain, vas-y que ça met des perruques, ça met des... J'ai 23 ans, c'est des enfants de 12 ans qui sont en train de me faire la leçon. Mais il s'est fait quoi aux yeux? C'est des lentilles. Voilà ce que je vous dis. Genre ça, ces sourcils sont dessinés. Attends, on peut mettre pause une seconde quand même pour dire que vraiment les gens qui veulent faire les mecs d'animé, les meufs d'animé dans la vraie vie, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment, moi c'est mon point faible à ça. Genre ceux qui essayent de refaire les voix, les machins. En fait, un mec qui veut faire la voix pour rigoler et tout machin, là les gars ils ont toute la tenue, ils ont tout le truc et ils sont très sérieux. En fait, le problème là, c'est que dans la tête des gens, ils sont dans un animé quoi. Il est en mode ouais, moi je suis Bakugo machin. T'es personne dans la rue, tu prends une balayette, on en parle plus. C'est vraiment, moi c'est mon point faible. Je vois quelqu'un dans la rue comme ça, je change de trop. Genre, enfin, il fait son mais ça. Mais ouais, il dit des mots. Okamarino Suzoku. Non, d'ailleurs. Isashiburi nana, Zaku-san. Vas-y, arrête, laisse-moi. C'est très grave, c'est très très grave. Genre, c'est ton petit péché mignon du cringe. C'est enlève mignon. Tu m'as fait très mal. Tu m'as fait cringe, je suis monté au-dessus de sang. Je crois, qu'est-ce qu'il a pour les titres? J'ai vieilli, m'entends. Oh, ça va, hein. Tu crois? Eh ben, Nadia. L'autre soir, j'étais chez un pote, grosse soirée. Hein. À la tienne, à la mienne, gros apéro. Oh non, j'ai eu un coup de chaud, je saute dans sa piscine. Là, je vois tous les gens de la soirée qui me regardent, genre, choqués, étonnés, tu vois. Mon pote, il vient me voir et qui me dit, ça, c'est mon bassin à poisson. Ma piscine est derrière la maison. Là, je me suis dit, putain, la honte. Va falloir que je fasse croire que mon saut, c'était volontaire, tu vois. Je les regarde. C'est, mais mec, il a la solution à tout. Voilà, dès que tu te sens mal, dès que t'es pas bien. T'as marché dans la merde, rock and roll. T'as fait le perso d'animé, Sashiburi Dana, rock and roll. Qu'est-ce que tu as? Je boude. Oui. Boude, pourquoi ça te sert à quoi? Sois joyeux, c'est beaucoup mieux. En vrai, moi j'ai une vraie question. Le mec, quand il a fait ça, franchement, premier degré, comment tu regardes ça? Tu dis, oh, et la folie, je vais mettre ça sur les réseaux, ça va exploser. Alors, pour moi, tu me dis ce que t'en penses, okay. Mais que ce soit lui ou la première meuf avec la tartine, chocolat, machin, on arrive. Pour moi, il y a des gens, et je pense dans les commentaires, ils vont être d'accord avec c'est nous, vrai, c'est vrai, c'est des maîtres du troll. C'est-à-dire que en gros, pour moi, ils trollent. Je sais pas si t'es d'accord, mais pour moi, ils font exprès. Ils savent que ce qu'ils font, c'est putain de cringe. Non. Et donc, ils le postent en sachant et en s'en battant les couilles. Moi, je pense qu'on n'a pas eu tous le même accès à la culture internet. Ouais. Et il y a des gens qui, via, tu vois, ça c'est du format mobile. Oui, c'est du TikTok. Via TikTok, via ces choses-là, sont rentrés un peu dedans, ont pas du tout les codes. Et du coup, ils se disent. Ils se rendent pas compte. C'est-à-dire, ils sont en mode, au début, tu mets ça pour tes potes et machin, etc. Même là, pauvres potes, en vrai. Mais ils se rendent pas compte de la portée du truc. Et après, ils se font récupérer comme as. Et ils se retrouvent dans une vidéo de Zach où on est en mode. So long. Rock and roll. C'est comme le gars qui fait Titeuf. Ouais. Frérot, c'est un mec de Facebook, il a 67 ans, il a découvert qu'on pouvait faire une vidéo. Nadia, est-ce que t'es là? Alors, autant le mec qui teuf totalement. Ah, c'est sûr. Par exemple, le dernier, je suis sûr, il troll. Non. Je pense qu'il sait que ce qu'il fait, ça pue sa mère. Et ça le dérange pas. J'espère qu'il sait que ça pue sa mère. Vraiment. Niveau 3, c'est parti. J'aime trop le truc avec ses lèvres, c'est trop mignon. Ouais. Tu vois, je le fais pas exprès, vraiment, je le fais pas exprès, c'est... Vraiment, quand je parle, tu vois, voilà. Là, j'ai encore fait, je le sais, tu vois. Mais je le fais pas exprès, du coup, si vous kiffez... Oh, le niveau de fils de pute, quoi. C'est... Regarde mes battements.
fais pas exprès, je fais pas exprès. C'est trop relou, trop relou, trop. Non, regarde, là, je compose le ticket. Tu veux l'heure, gros? Tu veux l'heure? Non, je fais pas exprès et tout. Le mec, il se bouffe la lèvre, vraiment. Vraiment, gros. Il se décope la lèvre. Mais à la fois, il est irrité toute la journée. Le pire, c'est comme le gars, il est plutôt gosse beau dans sa catégorie et tout. Je suis sûr que ça, sur des gonzesses, c'est oh, trop machin. Bah, bien sûr. Des jeunes, c'est ouf. Sur des meufs. On trouve ça ridicule. Ça me cringe beaucoup, les gens qui se mordent les lèvres comme ça. Tu sais, tu regardes la caméra, ça. Vraiment, il n'y a rien de pire. Là, je viens de le faire, gars. Je ressemble à mon gros doigt de pied. J'ai envie de mourir. Je me suis fait mal. Je me suis arraché la lèvre. Quand je fais du sport. Quand je tourne des vidéos sur YouTube. Là, je crois qu'on est sur un gars des codes. Je vais m'habiller. Vous croyez vraiment que j'allais mettre un pantalon? Tant que je cadre bien, c'est bon. Et encore, vous avez la chance. Vous ne voyez pas quand il est tout seul dans son appart. Sauvez-moi! Minou, je vais pas mettre ça. Ça serait censuré sur TikTok. Je suis à la recherche d'un nouveau propriétaire. Oh, le smiley. Oh, les bougies. Oh, mec, j'ai trouvé une méthode révolutionnaire pour retenir tous les noms des patients. Oh, allez, en 5 minutes, je te retiens 15 noms. Oh, les qu'est-ce que tu nous as encore fait? Oh, c'est du matin, ça. Mère. Je prends les noms de famille. Je prends les noms de famille. Tu vois? Je fais un espèce de... Ah, mais il s'en bat les couilles au montage. Bah, par exemple, Olivier. Je dessine une olive. C'est une autre personne, après Olivier, c'est je dessine une olive. Bah, oh la personne là en dessous, là je vais mettre des dents qui serrent. Il fait même pas ses cuts, il s'est pas monté, c'est trop mal fait. Regarde la caméra. Ouais, oh, regarde quand même. Oh la perruque. Oh la perruque, on l'a déjà vu. La perruque est tout fumée. C'est pour me fumer. Et lui, à ton avis, c'est un troll? Pas du tout. Non, lui, c'est pas un troll. Dans sa tête, c'est Lucas Auchard. Alors, ça a marché ton truc? Non, stop. Si je monte à 110, faut se. Bref, tu m'as demandé comment embrasser une fille, alors... S'il embrasse la caméra, je meurs. Ah, on peut s'approcher tout doucement, comme ça. Ça peut... Oh, bah, pour sentir un peu les lèvres de la madame, de la fille. Oh, c'est douloureux. Et puis après, on peut commencer à donner des petits bisous, comme ça. Non. Ah, ou alors on peut y aller plus... Chier lui! Comme ça que t'embrasses ta meuf! Moi, à chaque fois, genre, je veux voir ma femme, pas tu vas aller bien, mais alors. Niveau 3, c'est déjà solide, hein! J'entends là, de ce côté, on va essayer. Oh, oh my god! Non. Je suis un bâtard, mais lui, il a pas de mutuelle, hein! Les chicots, l'état du bordel, frérot! Ouais. Ah, oh. Stop. Ah, c'est la SS. Ouais. Il est ignoble. Il est horrible. FBI. Yo. Il a un truc, lui. Lui, il est mort. Non, mais lui, il m'a régalé. C'est une légende d'Internet. Attends, c'est quoi ça? T'es pas un peu prépare toi, hein. C'est à chier. T'as pas une question pour, je sais pas, Mathieu, pour ce c'était prévu la question? Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi quand t'as une question? Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Oh. Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. Rien, pourquoi? Mais déjà pas une fille. Mais t'as pas le permis. Faut plutôt une fille qui sache conduire déjà. Ah oui, mais t'as pas le permis. Excuse-moi, mais lui il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. La dame! Un prodige, et c'est un prodige des punchlines ça? Comment je fais pour la faire rire? Fille. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être un con. Mais pince, moi je peux plus, moi ça c'est trop dur, ça c'est trop dur. C'est... Guillaume Play, dans sa tête, il a d'être ça quoi, il est en mode, gars, j'ai amené un petit prodige. Vous allez voir, vous allez tous gueulerie de A à Z, il va vous tuer le mec, c'est un tueur. Il dit rien, il insulte des gens gratuits. Non mais gros, Guillaume, qu'est-ce qu'il a pété un plomb là, et lui il est trop heureux, il est comme ça. comment je fais pour amener une fille? Je m'habille pas comme toi, parce que t'es un gros con. Ok, c'est pas une punchline, c'est genre, frère, tu viens d'insulter un man. Tu sais que vraiment, le gamin encore lui, il se rend pas compte. Mais je pense que ça a été bien sûr, c'est ce que je dis. Et Guillaume dans sa tête, tu vois, il est le seul à le suivre en mode oh putain, elle est trop drôle. Oh la folie, les gars, vous avez entendu ça et tout. Même on dirait les Cyril des rappeurs Hanouna à côté, il est en mode ah. On dirait... c'est les Looney Tunes ou quoi? Qu'est-ce qu'il lui fait? C'est un détraqué. Vous le mec, il est une meuf ce mec. En cours de passe, il y avait une musique pas libre de droit. J'ai Alex remplace par des bruits. Ah d'accord. Ah, vous êtes des bâtards.
il a serré de ouf le frérot. C'est vraiment le bruitage du diable de Tasmanie derrière. Les bâtards. Vraiment, ça va être c'est l'épisode de Coyote et Bip Bip. Oh putain, il pleure, il chiale, c'est l'émotion. On attend les 110, on attend les 114. Je pense qu'il va nous faire un beau petit truc là, je suis pressé de voir. Quoi, c'est censé être le sosie de Kev Adams? Non, c'est censé être un Kev Adams jeune sur les vannes et tout machin. T'es au dernier rang? Comment tu sais? C'est une question bête, hein? La mentaliste. Journaliste peut-être, mais mentaliste, non. Donc, ouais. Parce que je vois, tu n'as jamais fait de blague. Enfin, blague qui n'a jamais fait rire. Ah si, j'aime bien les blagues un peu merdiques. Attends, mais elle est en train de le... Ouais, elle est en train de le tailler en pièces. Je suis désolée, mais tu vas me donner des cours. Elle prend premier degré. Mais attends, elle est en train de parler, mais c'est rapproteneur, ça. C'est dur de l'imiter, Kev Adams. Fastoche. Oui. Eh ben alors, vas-y, imite-le. Et là, prépare-toi, gars. Oh, ça est douloureux. Ouais, ça, c'est très, très dur. Jean la prof. Interrogation d'histoire, surprise. Que pouvez-vous me dire sur Trotsky? Il a de la culture, le petit, non? Trotsky. Tu le skis, je sais pas. Ça aussi, c'est un truc qui vous énerve grave, vous, les adultes. Le fait que nous, les ados, on ait un tout petit peu le pantalon baissé, là, jusque-là. Ça vous énerve! Oui, zéro voilà. Van, il l'imite trop bien. Après, le truc, c'est qu'elle lui a demandé de faire Kev Adams. Là, pour moi, c'est un sans faute. Ah, vraiment, il a tapé dans le mille. Moi, par contre, zéro van, limite bien. Limite bien. Le gamin, tu sens qu'à 10 ans, il est biberonné. Il, hein, il est triste un peu, mais. Hein. Non, mais il aurait pu prendre du bigard. T'imagines le gosse, là? Alors là, la meuf! Rentre dans le bar! C'est un gamin qui parle comme ça! Ah, ça aurait été dramatique. Attention. Là, on est de retour sur notre frérot Thibaut. Oui. Mon amour, c'est pas ce que tu crois! Pardonne-moi! Cette fille, je la connaissais pas! Non, mais elle me parle même plus! Stop, stop, stop! Car en effet, le mal est fait! Non, mais c'est pas ce que tu crois! Tout, il faudrait tout oublier! Je t'aime! Et moi qui croyais que t'étais un médecin! Pourtant! Je te dis que j'ai fait du sale, je ne sais combien de femmes! Je kiffe Thibaut. Moi aussi. Thibaut, c'est un frérot, hein, les gars, je vous le dis. Mais ça, Thibaut, t'étais pas obligé. Voilà, je le dis aujourd'hui, t'étais pas obligé. Par contre, maintenant, c'est un maître de l'humour en ce moment. Thibaut, il est à son prime, hein, moi, je trouve. Il a ah jamais... ouais? Ouais, c'est que Kevin, hein, vraiment. Bon, sur moi, les TikTok et tout, il met des dingues. Moi, je vais être avec toi. T'as vu la vidéo qu'on vient de voir? Genre, nous, on est vraiment, c'est des geeks. Culture internet, Twitch, YouTube et tout, moi, on connaît. Carte graphique. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a vraiment un différentiel de ouf avec les gens qui consomment un peu sans plus. Qui ne sont pas l'univers gaming. Voilà. Typique, oui. Quand j'étais sur Facebook, des potes d'école de commerce ou des gens de la vie de tous les jours et tout. Et genre, zéro van, ce qu'on vient de regarder pour nous, genre ouais, vas-y, c'est pas ouf. Tu vas sur Facebook, ils taguent leurs potes, sont là. Mais mec, c'est trop nous. Est-ce que... Non mais oui, c'est ça, non mais oui. Ce truc, oh, c'est trop nous. Ta meuf, elle va un peu sur Instagram. Oui, 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 bien sûr. Ma meuf, gars, elle va sur Instagram, elle est là. Et les réels, les reels, et elle m'en envoie 15 000, tu vois. Sur les 15 000 qu'elle m'envoie, il y en a un, il me fait gaulerie peut-être. Tout le reste, sur moi, mais qui s'est éclaté. Oui. Et elle, j'entends, elle est là. Elle montre le truc. J'ai un fils de pute, il y a un sourire sur mon visage. Et c'est un truc de fou. Et c'est là que je me dis, ok, on est déconnecté. Et des fois, je rigole sur des trucs, elle me dit, ah, ça te fait rire, ça. Ouais, ouais, et en fait, c'est là que, avec du recul, tu dis, bah oui, on est un impact. En plus, moi, je suis très mauvais public de base. Ouais, bah ouais, bah ouais. Mais ouais. C'est un bon message. Parce que ça veut dire, tu vois, on peut rire de toi. Après, il y a des gars qui forcent aussi dans cette compil. Dans cette compil, voilà, voilà. Du difficile. Mais effectivement. Donc là, jusque-là, niveau 1, vous avez vu, on a plus rigolé. Oui, oui. Niveau 2, un peu moins. Niveau 3, on a quand même rigolé, mais c'était. Au niveau 3, j'ai explosé quand même. Difficile. Là, apparemment, c'est vraiment le top du crime. Hey public, je dois vous prévenir, j'ai trouvé une cravate dans le placard de mon père. C'est la cravatastrophe. Oh oh, la cravatastrophe. Malheureusement, je connais ce mec, ouais. Ça, c'est les gens qui ont essayé les podcasts post-2010. Lui, je te parle, il doit avoir 27 ans maintenant. Là, il en avait ouais. 16, 17. Je pense qu'il est en prison. Ouais. C'est qui? C'est lui, il est en 11. Hein. Ah ouais. Eh hey, gars, il a fait une dinguerie. C'est quoi? Il a essayé de nous faire rire. Il a été attaqué par la police de Lyon. Hein. Avec toi, je t'ai dit, il a pris 2 ans de ferme. Là, on est sur un live viré. I can give you live advice, you. Attention, bald white man in the back, this is for you. Bald white man. Bald white man. Bald white man. Oh, le donateur du siècle. Très, très connu, très, très connu, ça. Oh, là, il en sort comme ça, quoi, je cuisine. Oh.
Le pays le plus lourd de tous les temps. Ignoble. Alors pour ceux qui regardent, qui n'ont pas compris, c'est une meuf en live IRL qui avait les dons activés avec la voix qui lit les dons et lancer un truc. Et après, tu peux mettre du son quoi. Ouais. Et là, il lui a mis la max. Nous, on l'avait passé. Mais c'est pas mieux ça, ça a un ou deux ans, je crois. Mais le mec est un héros, hein, je pense. Mais déjà, Bold White Man. Bold White Man. Moi, je pense que ça s'arrêtait là. En plus, ça commence. Oh, this is so rude. Et là, la totale, frère. T'es dans le métro, t'as les gens, ils sont à côté. Je sais pas où c'est qu'elle est, mais ça a l'air d'être. Légende, légende. Ouais, c'est quoi ce bordel? C'est le retour du diable. Ça, c'est Mario. D'accord. Mais pourquoi les enculés? Mais ils y vont être trop drôles en plus. C'est horrible. Mais c'est quoi ce rafut? Eh hey, salut, ça va ou quoi? Tiens, tu fais une capote? Tu fais une capote? Mais ouais, c'est une capote. Oh, oh là papa, oh, ça commence à... Section d'asso. Attends, mais il y a un concept derrière. C'est quoi l'idée directrice? C'est quoi l'idée? C'est quoi la DA? Il y avait un truc, ils sont en 11 ans. Ils sont où? Ils sont en Syrie, les mecs, ou quoi? Il y a un problème, je comprends pas. C'est quoi le bail? Et c'est pas Iken, c'est une mise à mort enfin. C'est la hyène ou quoi? Non, eux je comprends pas de A à Z. Je dis, je suis resté pantois. Je suis sans voix. Mais t'as bien aimé, j'ai l'impression. C'est horrible. C'était pas. C'était horrible. C'est un de tes préférés. C'est un bon kiff. En fait, le truc c'est qu'on comprend pas ce qu'ils veulent faire. Y a pas. Genre, c'est quoi la DA, tu vois? Le truc c'est que même avec les DA, on n'est pas sûr de suivre le délire quoi, jusqu'au bout. Frère. C'était quoi le boss là? C'est lui. Prépare-toi. Moi, lui, je le connais. C'est 11. Très très dur. Putain, il a pas bien nettoyé l'autre. C'est moi qui fais un one man à son université. Je vous dire que c'est la première fois que je rentre sur scène et donc j'ai un peu le trac. Je me serais gré de bien rigoler à mes blagues. Merci. Oh, les pouces dans les poches déjà. Bon, ouais, bah, si jamais c'est nul, bon bah vous n'en faites pas, on vous remboursera pas. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient Facebook? Oh là là. Putain, ouais, le but c'est de vous chauffer là en fait. Là. Allez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont Facebook? Super, rien à foutre. Est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas Facebook? Zéro assurance. Genre, les chaînes. Et puis il bouge, il fait ça. Bonjour, je vois une image de gamin africain, je sais pas, ça ressemble en fait plus à un alien qu'à un gamin. Et puis en dessous, un petit truc écrit du genre « Tu aimes cette photo? Cet enfant survivra. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances. Tu le regretteras toute ta vie. Enfin, » moi, je m'en fous, j'ai pas liké. Hein. Enfin, ça se trouve, j'ai pris des risques. Hein. J'imagine bien... le jour J devant Saint-Pierre, est-ce que tu as liké la photo du gamin? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, c'est quoi? Et là, il y a le gamin qui se fout de ma gueule et le putain de panda chinois qui est là en mode je t'ai bien liké, enculé. Avec les couleurs qui changent sur la lumière et tout machin. Et même le texte n'a pas de sens. Mais en fait, tu penses qu'ils essayent devant des potes, ils se répètent, il y a un truc ou pas? Parce qu'il est sans filet. Non mais t'as dit que lui c'était une légende, mais c'est vraiment une légende. C'est une légende. Lui il a marqué son lieu, tu vois. Ah oui, oui. Genre tu sais, son école, on se rappelle de lui, on parle encore de lui, la vidéo tourne encore. Déjà, le public est ouf. Hein. Attends, mais c'est encore long là. Ouais, mais il a beaucoup de choses à faire. Il déballe. Il en a gros sur la tête. Il y va. Merci. J'ai un pote un peu crédule, un peu parano. Oh non. Je donne pas de nom d'animateur. Un jour, il vient me voir, il faisait une sale gueule. Il fait Arthur, le médecin, il m'a dit que j'avais rien. Puis Gérard du 30 m'a dit que j'avais un cancer des ovaires. Mais tu penses lui fait rock'n'roll pour s'en sortir ou pas? Là, il lui faut plus que demain pour faire rock'n'roll. Là, c'est vraiment. Faut qu'il fasse avec les yep et tout, hein, je pense, parce que. Catastrophe! Je trouve quand même que Facebook, c'est une avancée. Non, mais c'est bon, c'est bon. Bah, Facebook, là, c'était le délire. C'est là l'idée. Quand il commence par. Une photo d'Africain. Qui ressemble à un alien. Mais le mec est malade. Oh, c'était la dernière! Oui, c'est la dernière! Écoutez, les amis, on a eu des vidéos qui m'ont fait monter à 100, 110. 115, 118. 118 le temps. On a failli taper le 120. Oula, je suis content d'avoir fait cette première vidéo avec toi, monsieur. Mec, j'ai trop rigolé. Je te jure que c'est vraiment drôle. C'est plus gaulerie que malaise. Ouais, vois. Ça va. Moi, si je dois en retenir une là, j'ai rien compris de A à Z. C'est les deux mecs. Après, il part. Ça jette une chaussette, ça met une capote. Et après, il revient, il est habillé. J'ai rien compris. Il y avait de A à Z, rien. Il a eu 0 sur 20, le bâtard. T'avais une vidéo, toi, le diable, peut-être. Goulé, goulé, goulé. Si
je te fais retirer. Je la cotterai contre moi. Je lui fais des bisous. Ah, vraiment le diable, c'est quand tu fais ta première vidéo, ton premier montage et que t'as rien, tu tapes genre son libre de droit et tu vas chercher ça. Le son qui me fusille le plus c'est les comme ça quand les mecs ils courent. Vraiment ça c'est top. Bon, en tout cas si vous avez kiffé l'épisode 1 de ce concept, on pourra peut-être vous envoyer un deuxième à l'occasion parce que mon dieu ce que c'était drôle. Il y a la chaîne de Gigi également, allez suivre ce qu'il fait, c'est toujours un bonheur. Et on vous dit à la prochaine les amis.